Jolie question. Alors, ça m'amuse parce que, vu l'âge que vous avez, vous ne deviez pas être très vieille et très vieux quand j'ai arrêté de faire des courses autour du monde, je pense. Puisque j'ai arrêté en 2000 de faire des courses autour du monde, j'ai eu la chance d'en faire quatre, de faire quatre tours du monde en solitaire entre 1989 et 2000. Voilà. Après, j'ai continué à courir un petit peu, mais pas beaucoup. Donc finalement, pour vous, je pense que même la navigatrice, c'est plutôt un peu dans les bouquins ou sur Internet, mais c'est pas forcément quelque chose qui a bercé votre enfance ou votre adolescence. Malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, dans la société, si vous faisiez un sondage, un micro-trottoir, comme on dit, les gens vous diraient quand même plutôt navigatrice qu'écrivain. Parce que ça a beaucoup frappé les gens à l'époque où j'ai couru, pour une raison toute simple, c'est qu'il se trouve que j'étais la première à faire ça, enfin en tant que femme en tout cas, et que vous savez, les médias ils adorent ça, la première qui, le premier que, et voilà. Donc à ce moment-là, on a effectivement beaucoup parlé de moi. Et puis que pendant ces navigations, j'ai fait deux fois des figures qui ne sont pas dans le manuel. Je me suis retrouvée deux fois en situation très compliquée. Donc à ce moment-là, les deux fois, évidemment, ça a déchaîné. Là aussi, les médias, est-ce qu'elle va survivre, et ceci et cela. Donc ça a frappé quand même pas mal l'opinion. Et donc je pense qu'aujourd'hui, globalement, dans la tête des gens, je suis encore plutôt une navigatrice. Mais de plus en plus, quand on me présente quelque part, de plus en plus on dit navigatrice et écrivain, ou écrivaine, comme vous voulez. Voilà, ça veut dire que ça bouge un peu, et moi je trouve ça plutôt sympa, parce que ça me fatigue cette façon de mettre les gens dans des cases. Et moi j'avais un peu l'impression d'être dans le tiroir, vous savez le tiroir en bas, là, l'héroïne de la course au large. Bon, alors c'est sympa, hein, je vais pas regretter du tout, et en même temps, je me suis tellement éclatée à faire ça que bon, voilà, c'est bien. Mais bon, j'ai pas non plus envie de rabâcher ça pendant 107 000 ans, et j'ai essayé de faire d'autres choses après dans la vie, et donc je trouve ça bien et agréable que ces autres choses, à un moment donné, soient reconnues, et si c'est bien reconnu, c'est encore mieux. On va passer la parole à la salle. Voilà, il y a déjà des mains